Les derniers jours sont chargés pour Barbara Pompili, ministre de la Transition écologique du gouvernement Castex. Depuis l'annonce des hausses du prix de l'énergie, elle doit être sur tous les fronts. Le 5 octobre 2021, elle a présenté des mesures élaborées en concertation avec la filière, les industriels et France Énergie Éolienne, annonçant la création d'un fonds de sauvegarde du patrimoine naturel et culturel. Une réduction de l'impact lumineux et sonore des éoliennes est également prévue. Dans ce contexte, une proposition de loi a été étudiée ce jeudi à l'Assemblée, cependant, un autre débat s'est invité avec la façon du député LR Julien Aubert d'interpeller Barbara Pompili.